Jean-Marie Dieudonné, bien sûr, est là. Les grandes gueules, Jean-Marie. Je veux parler. Je veux parler. Mais bien sûr à tous, bien n'est-ce sûr. Pas? Bonjour. C'est bien moi, Jean-Marie Dieudonné, bien sûr. Oui, oui, oui. Le king de la savane, le black lady lover, oh. Call me Mr. Sécheresse. Ah, c'était mes belles années de DJ à la butte au guet-apens, n'est-ce pas? Oui, c'est un beau club, ça. Oh mon Dieu. Des grosses années, hein, la mafia. Ces choses, Mario Lirette. Ouais. Alors, la place à Mario. Alors, cela dit, floffer la bédaine de l'enfant gonflé qui nous sert d'oreiller avant de se coucher. Alors, ouais. Alors malheur à moi, monsieur Richard. Oui, c'est ce que j'allais dire. Malheur quand j'ai découvert qu'une de mes femmes fantasme secrètement sur la culture blanche. Ah, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprenais enfin pourquoi elle refusait de le faire à quatre pattes, couvert de peinture de guerre en grognant dans la savane comme toutes mes autres épouses. C'était pas normal. Ah, mais non, c'est ça, hein? Et pourtant, elle m'a dit, j'aime le style de vie des blancs, Jean-Marie. Avec la famille de un enfant adopté. Un enfant noir adopté. Je préfère leur accordéon à nos bongos. Longue fesse plate à nos petites founes rebondies. Et je trouve que Robert Charlebois est beaucoup plus funky que James Brown. Comme de tune qu'elle n'a pas entendue. Elle n'a pas entendu dans les années 80. J'ai alors quand même, puisqu'il faut en parler, décidé d'être plus blanc avec elle pour tenter de l'exciter. Okay, okay. J'ai donc commencé à porter des chemises carottées, des jeans Levi's décolorés à la hauteur des genoux, une casquette John Deere et je me suis laissé pousser une barbe de 3 jours. Oh mon Dieu, t'as l'air d'un scripteur des grandes gueules. Mais bien sûr. Je pense à Sylvain, entre autres. J'ai aussi commencé à me lever plus tôt. Comme je suis un blanc maintenant dans ma tête, j'ai commencé à me lever plus tôt. Souper à 5h30, prendre des Tums pour les brûlements d'estomac, checker mon poule de hockey sur Poule Expert en déjeunant et me faire un faux mohawk en remontant mon milieu de cheveux avec du gel. Un blanc. Et c'est normal. Chanter du Michael Jackson. Mais puisqu'il me voit pas. Est-il blanc ou noir? C'est ce qu'on sait plus. Ça dépend de l'époque. Mais depuis que ma femme capote sur les blancs comme ça, j'étais encouragé. J'ai décidé d'aller plus loin dans le processus des blancs. Tous les samedis, je l'accompagne pendant qu'elle essaye des tops au magasin Dynamite pour finalement se trouver trop grosse et juste acheter des camisoles pareilles de couleurs différentes. Ouais. Et c'est normal. Une fois par semaine, je l'amène au restaurant où on mange silencieusement en checkant nos iPhones. Deux fois par semaine, on va faire du jogging dans le parc avec du linge dry fit trop serré. Et maintenant, on fait l'amour en position missionnaire en écoutant du Vincent Vallien. Wow. Et je me la plie en deux pour en avoir une de seulement 5 possibles. La vie d'un blanc, nom de Dieu. Vous avez un parc, c'est le fun. Oui, je vivais le parfait bonheur jusqu'à ce que ma femme exige que je me débarrasse de mes 14 autres femme. Oh. Elle m'a dit la polygamie est mal vue par nous les blancs, Jean-Marie. J'ai donc accédé à sa demande. Ah oui? Maintenant, je n'ai qu'une seule femme, bien sûr. Mais je la trompe en fou avec des collègues de travail. Sacré blanc! Vous êtes pareil comme nous. Vous êtes juste trop chieux pour l'assumer. Allez, à la bien sûr. À la bien sûr. Okay.